commissariat de Bukanda qui sera inauguré aujourd'hui fait partie d'un ensemble de commissariats prévus à la loi de programmation de la sécurité intérieure où il est question de construire 20 commissariats. Il y a 9 qui seront construits à Abidjan et 11 à l'intérieur du pays. Celui de Bukanda que nous allons inaugurer aujourd'hui est bâti sur une superficie de 4 800 m². Il est le second commissariat dans le Nzi, après celui de Dimoko, et c'est le 12e de la préfecture de police de Yamoussoukro. En termes de coût, c'est un bâtiment donc, qui est revenu au total à 528 966 000 francs, à savoir 344 millions pour la construction donc, du bâtiment et l'équipement à hauteur de 184 millions. Il permettra justement aux côtés donc, de la police de lutter contre tout ce qui est insécurité dans la zone, notamment les problèmes liés à l'opérage clandestin, toutes choses que les populations appellent de leur vie. Donc c'est aujourd'hui une grande joie pour nous de procéder à l'inauguration de ce commissariat sous la présidence de son excellence, M. le président de la République. Tout le monde est prêt, tout est prêt. Dès qu'il a inauguré, le commissariat fonctionne. Alors, il est équipé aujourd'hui de 45 hommes avec à leur tête un commissaire de police. Il est nommé, il est déjà en fonction en principe. Alors, c'est un commissariat, justement, c'est un commissariat futuriste qui répond aux normes que nous imposent les règles internationales, à savoir qu'on prenne en compte les violences basées sur le genre. La police de proximité que nous avons appelée dans nos jargons le comité consultatif et d'éthique et qui permet donc à la police d'être au plus près de la population. Toutes choses qui répondent aujourd'hui à notre vision de faire en sorte de développer une grande complicité entre la population et sa police. Que cette confiance s'installe. Il faut reconnaître que ce n'est pas la mission première du commissariat de lutter contre l'opérateur clandestin. Qui rentre dans le domaine de la sécurité intérieure, mais dans ce domaine-là, c'est la gendarmerie qui est en première ligne. Donc pour épauler donc la gendarmerie, parce que c'est un corollaire de maux, de fléaux, de trafic de drogue, tous les stupéfiants, le commissariat de Bukanda commence avec un véhicule de dotation effectif que nous allons renforcer. Monsieur le Président de la République, le commissariat que vous allez inaugurer aujourd'hui répond à votre vision de rapprocher les secours de nos populations. Le commissariat de Bukanda que nous visitons aujourd'hui est parti sur une superficie totale de 4 800 m² avec 36 bureaux. Un commissariat qui prend en compte toutes les notions de droits de l'homme sur lesquelles aujourd'hui tout le monde est regardant. Vous savez qu'en son sein, nous avons un bureau spécialement conçu pour les violences basées sur les genres. Un bureau qui s'occupe de tout ce qui est comité d'éthique au niveau de la police. Et le coût de ce bâtiment global est de 528 966 000 francs. Pour la construction du bâtiment lui-même, il a coûté 344 millions et l'équipement 184 millions. Alors, le commissariat est équipé donc par 45 éléments, avec à leur tête un commissaire qui a été nommé par arrêté il y a 2 jours. Il pourra intervenir aux côtés de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre le propagage clandestin et diminuer ainsi les fléaux liés donc à le propagage clandestin.